Agaï, tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Tandete Vayora Rangai. Je suis né de Koutaoké, vécu jusqu'à maintenant. Ben, mon travail est du copra, c'est le copra. Tu fais que du copra. Et comment tu as fait pour venir, pour ton activité copra? Comment ça s'est passé? Eh bien, pour mon activité de copra, il faut bien préparer parce qu'on sait que tel mois et telle date, il y en a cette stage, ben, pour préparer, d'abord, chercher pour payer mon avion pour venir. Tu es venu avec qui? Ben, je suis venu de ta avec... station. Vous êtes combien? On est deux. Avec le jeune Mithy. Ok. Oui. Et comment ça s'est passé la semaine de formation? Ah, voilà, je suis très content pour, la formation qui est avec les professeurs sont venus de la France. Et je voyais que l'époque, c'était pas comme ça. Et aujourd'hui, ça crée un changement. Mais sinon, en méthode, c'est pareil, la même. C'est la même méthode. Et savoir et comprendre le tracé, c'est les mêmes. D'accord. Marourou Raga. Sinon, partie association, je suis très content aussi de ça. Parce que dans notre séminaire, on est en train de raconter, de parler pour les articles et aussi pour, articles, donc côté administratif de l'association et aussi le compte. Alors, mon problème, vraiment problème, c'est que quand une association a son numéro de compte en CCP, s'il n'y a pas de magot dessus, ben ça va sauter. Et ce n'est pas facile. Et avec le problème, c'est que avec le compte du CCP, et c'est par là qu'on pourrait avoir demandé des aides à tous côtés, à gauche, à droite. C'est-à-dire l'État et puis le territoire. Voilà ce que j'ai bien fait attention à ça parce que c'est fou de faire refaire encore des comptes. Parce que j'ai eu des problèmes comme ça pour refaire encore des comptes CCP. Ce n'est pas facile. Voilà. Mais je suis content parce que je sais à quoi je vais faire ce travail et comment. Marourou Raga. Marourou ya. Ouais.